Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 18 et on doit trouver la sortie qui est sous ce pouce dégueulasse. On est parti, on va essayer déjà de jeter la hache. Ici très bien, ça fait rien, donc ça va l'immobiliser je suppose. On va essayer de lâcher ici, aucun souci. On peut peut-être l'attendre. D'accord. Ça c'est fait, déjà on a réussi un petit peu avancé. Et là c'est pour ramener Ah attendez. Est-ce que faut pas mettre le gamin dedans par hasard? Bougez pas, on va aller mettre le gamin dedans tout à l'heure si on peut, on va aller voir, ça ne coûte pas plus cher encore une fois de bien manger. On va passer par ici. Ça on casse, hein. Ça on casse, je déteste, je supporte pas. Là, il y a très une bien ouverture. Je peux l'attendre. D'accord, voilà, bon. Fallait donc bien déposer le gamin là-haut. Et un chemin vers la sortie de l'autre côté. Ok. Bouge pas, fils, hein. Bouge pas, parce que là, je vais avoir besoin de toi, déconne pas. Fais pas le con, quitte pas l'école. Il a fait le con. Non, il est là. Ok. Il y a une chaîne ici. D'accord, c'est fait. Attends. Je crois que ça a marché. Est-ce que je peux venir, fils? Parce que là, tu fais tes petits bails. Là, tu te sens solo comme un solo. Ça a pas du tout, ça. Hein. Déconne pas, tu m'attends, frérot. Hein. Ok, ici, on a une grille gigantesque. Rien à faire dedans. Très bien. On est bon. Ça va nous emmener où, cette connerie? Sur le quai et sur un coffre. Ça, c'est cool. Hop, on va le prendre immédiatement. Ça c'est fait. Alors, là par contre. Ah, c'est bon, c'est juste de l'autre côté. Aucun souci. On va passer par ici parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire. Comme cette petite chaîne qui nous permettra d'utiliser ce raccourci si jamais on a besoin d'aller en arrière. Pas obligé de le faire, mais bon, quand même, on sait jamais. En plus, n'oubliez pas que derrière, il y a un gros portail que je n'ai pas réussi à ouvrir parce que il manquait le troisième symbole et c'était assez terrible d'ailleurs pour être honnête avec vous. Hop, ça c'est fait. Sésame, ouvre-toi. Ok. Nous revoici à cet endroit, hein, bien de retour sous sa main. Nous y sommes presque. Yes, on y est presque, aucun souci. Donc voilà à quoi servaient les chaînes. Escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants. Qu'est-ce que tu crois que mère dirait? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Sacré mère, ça on apprécie. Hein. Allez, on est donc reparti. Retour au lac des Neufs. Et d'ailleurs, on va en profiter pour aller dans le nouveau royaume. Jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas se servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. Ouais, on voit. Et gros, je suis en let's play, hein. Détonne pas, hein. Atreus, pense pas qu'à ta gueule, frérot, hein. C'est incroyable, hein. Les gamins de nos jours, c'est plus ce que c'était, hein. Les gars, je suis en let's play, on va peut-être pas passer 8 épisodes à explorer. On verra plus tard. On aura. On m'a jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez.
Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie vanne, qu'Odin... Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Ça ferme sa gueule immédiatement, hein. Ça va, hein. Tu racontes ta vie, là, ça fait 2 heures on est dessus. Hop, ça c'est fait. Bon, les gars, attendez, parce qu'on n'est pas prêt de changer de royaume, finalement. Il faut qu'on trouve cette putain de rune noire. À quoi, 3? Monsieur est gourmand, je comprends. Ok. Ah, d'accord. Ah, c'est la merde. Faut les trouver très très vite. Ça va me saouler, hein. Je vous le dis. Non, mais c'est une blague! Ok. C'est quoi cette connerie? D'où Jésus, hein? Allez, on recommence à zéro. Ça commence à être chiant. Un là. Un là. Attends. On va faire celui-ci. On va faire celui-ci. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, c'était chiant. Ah non, c'était une phase incroyablement chiante. Ah, oh, c'était terrible. Ok, on est parti. Wow, j'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de Tyr. L'intérieur du pont de Tyr. Ok, on a du sable. Donc je suppose c'est que c'est un ascenseur. Mais il manque le panneau central. Une minute, je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Vas-y, régale-moi, fils. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Hop, tu m'as saoulé, fils. La prochaine fois que tu me redis ça, ça va mal se passer. Je peux ouvrir ici. On va juste voir ce qu'il y a de l'autre côté. Juste la curiosité. Et c'est la merde. C'est la merde. C'est bon, aucun souci. Ça déverrouille le sol de l'autre côté. Bon, mon fils veut m'apprendre quelque chose. C'est plutôt mignon, les gars. On va le faire, évidemment. Faut que tu reviennes, fils. Hop, il va me pousser, regardez, un coup de pression, hop, ça dégage, hein. Kratos. Vas-y. En fait, viens voir, je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Atreus. Allez, tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux... Des... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé, non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... De pluie. Ah, tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Oh, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère ? Elle était bête en plus d'être laide ? Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oh, il a failli se mettre en mode rage.
J'y suis allé un peu fort. Allez, c'est parti! Rage spartiate! C'est comme ça, fils! Recule! C'est pas fini! Mon frère, le garçon. Atreus! Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Oh non! Il était à deux doigts de se mettre en mode rage. Oh, je suis dégoûté. J'aurais kiffé voir le gamin dans la rage spartiate. Oh non! Ils m'ont teasé, ces bâtards. C'est terrible. L'autre, il est juste venu foutre sa merde entièrement gratuitement. Ok, on va où maintenant, là? Parce que c'est la merde totale. On va aller au bateau qui est ici. Alors, je ne me suis jamais garé ici, évidemment. Et on va directement aller voir la sorcière. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. Ah, ça va pas. Et il est blanc comme un cul, en plus. Hein. Moi, je te mets 2 mg d'élipiliférine. Hop, on n'oublie pas la tête, les gars. On la pose toujours, forcément. Sinon, on s'assoit dessus, c'est compliqué. Allez. C'est par là-haut la sorcière, on y va. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Juste derrière cette porte. Ah, c'est dommage. Ils étaient à deux doigts. Mais c'est ça qui est beau, ils étaient à deux doigts de me vendre du rêve. Quand j'ai vu le gamin qui commençait à devenir rouge, je me suis dit, c'est un bon signe. Bon, finalement, c'est une clip, hein, d'accord. Pas grave, grotte de la sorcière, on y va. J'espère que je vais pas avoir d'ennemis, faut pas déconner. Odin t'a à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... un dieu qui se croit mortel, ça me surprendrait guère. Nous y sommes presque. Mais oui, mais faut le dire à ton gamin que c'est un dieu, putain. Enfin, un demi-dieu, bordel. Kratos, il casse les couilles, hein. Il garde ce suspense pour le protéger, mais ça le fout en l'air, le bordel. Fais un effort, Kratos. C'est terrible. Allez, on y va, les gars. Il faut sauver Atreus Maximus Decimus, né d'une mère assassinée et brûlée dans le Connecticut. Bon, on y va, on va le déposer. Je rappelle que Freya est une déesse, donc c'est un dieu au féminin, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Et que forcément, elle a une solution. Elle a une solution, les gars, je la connais. On a été en cuisine. Allez, vas-y, viens, fils. Ça, c'est ton daron quand il t'emmenait te coucher quand t'avais 3 ans, toi. Ok. Quelqu'un vient d'appeler le serpent. What? Wow, 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 il se passe trop de trucs, les gars. Je suis dans ma paranoïa, comme disait Joule. Ça va pas du tout. Il y a quelqu'un qui vient d'appeler le serpent en parallèle. C'est quoi ce délire? Ça va être terrible, hein. Ça se trouve, le serpent, il va prendre sa dose, hein. On va le retrouver, les gars, ça va être un asticot, le bordel. Allez, c'est long. Bah, putain. Ok. C'est la merde. La fièvre le consume. Et il tremble. C'est grave. Ils vont faire vite. Ah, mais je peux pas courir, hein, frère. Hein. Je peux pas courir, hein. Je transporte une tête et mon fils. C'est compliqué, hein. Allez, hein, faut y aller, hein, Kratos. Hein. Oh là là, il est tellement stylé, ce Kratos-là. Quand je revois les anciens God of War, je vois tout que c'est terrible. On a besoin de toi. Bon sang, est-ce que tu m'entends? C'est très urgent. Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya. Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute.
va m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais ? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris ? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à la barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Freya, lors de ma dernière visite, Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Ok. Les gars, il a touché sa main. Au tout début du jeu, premier épisode, il a mis un bandage autour de son bras pour cacher les traces que lui ont fait les lames du chaos. Je vous le dis, ça sent bon. Comme tu voudras. Ça sent bon, les gars. Ça sent les lames du chaos, ça. Ah, j'ai hâte. J'ai tellement hâte si c'est ça, putain. Après, si ça se trouve, ça a rien à voir. C'est une fourchette, une petite cuillère, gros. Il regarde ses bras. Il regarde ses deux bras en plus. C'est forcément les lames du chaos. Mais alors la hache deviendrait comme? C'est génial. Tellement stylé. Sors de mon esprit. C'était tellement stylé, putain. Ce petit 360 no-scope caméra IMAX Sunrun Dolby Digital. Oh, c'était fou. C'était fou, j'ai grave kiffé. Avec la petite musique en fond, tu vois. C'est une mise en scène fondante, croquante. Allez, on va se garer, les gars. Ouais, je conduis d'ailleurs totalement juste avec le banc. J'arrive à m'orienter facilement. C'est un petit peu plus loin. Ici, c'est là où on avait ramené, il me semble, la bûche. Pas envie de dire nimpe. On continue. Par contre, pourquoi le ciel est rouge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est dans ma tête? Le vent et l'orage, ok. Mais pourquoi tout est rouge?
Je pense que c'est dans ma tête, avec ce qu'on doit déterrer justement. Peut-être qu'on va d'ailleurs y déterrer un long mort qu'on va devoir découper. Ah, j'ai hâte d'arriver là, dépêchez-vous là, putain. On dirait comme, vous savez, les chemins de rédemption, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'on voit tout, c'est incroyable. Hop, on se gare, hein, tout seul. Juste avec la puissance de mes fesses. J'ai contracté la fesse gauche, boum. On tourne à gauche immédiatement. Virage 90, ça rigole 0. Hein. Ok, c'est parti les potes. Bon, nous voici à la maison. Finalement, on n'était pas loin de la maison depuis le tout début. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'est vraiment... Bah un open world quand on prend du recul par rapport au tout premier épisode. Mais t'es con. Là je suis pas cher. Ah. Hop, ça c'est cadeau. Ah. Ok, donc ils ne craignent pas. Ça c'est beau ça. La petite esquive vous a équipé. C'est normal. C'est Bibi qui régale. On fait avec les flèches. Vous êtes... J'ai pas le temps, hein, mon gamin il est pas yimbe. Jean-Michel Payimbe. On trouve mieux dans sa boulangerie municipale. Hop ça les gars. Je suis énervé. Ça, je sais pas si ça sort mais je suis vénère. Ça va la comédie les gars. Hop, c'est beau ça. Allez, ça c'est fait, ça dégage en plus il est plus live. On découpe ça très rapidement. Et ça, putain c'est chiant qu'on puisse pas utiliser la hache. J'espère vraiment qu'elle va pas devenir useless parce que j'adore tellement stylé en vrai. Allez. Ah oh, putain c'est Keblo tant que j'ai pas tué le... Les derniers. Voilà. Et toi, faut mourir. On meurt. Voilà. C'est bon. Non mais c'est pas vrai. Je sais pas combien ils sont. En plus j'habite juste ici. Dégage. Allez. On va lui éclater la tête, lui il a mérité, c'était sûrement le dernier. Ça dégage. Donc je disais, on va ramasser ça. XP, c'était pas ouf ce qu'on a trouvé. 59 d'XP. On ramasse la vie, on est full life. Là on est méga yimbe. Là on est bien les gars. Alors, avant de passer cette porte, je ne sais pas ce qui m'attend. On va voir les compétences. On a 28 000, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va pouvoir acheter des trucs vraiment ouf. Déjà avec le bouclier, tiens, tous les petits trucs là, comme ça là. Enfin, tous les petits trucs, façon de parler. Tout ce qui vaut 1000. C'est pas mal du tout ça, les combats à main nue. Voilà, et niveau H, on a quoi? Ça, ça a l'air ouf ça, hein. À main nue, viser et appuyer sur R2 pour appeler instantanément. C'est pas mal, ça me paraît pas mal ça. Je prends. Augmente le nombre maximal à 8 cibles. Oh d'où Jésus. Je prends. Là on est encore méga chaud. Ça va être cool. Ok c'est parti. J'ai peut-être tout utilisé pour rien et ça me ferait mal au cœur. Mais on sait jamais. Les futures victimes. Oh c'est tellement stylé putain.
Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Oh là là, ce style ! Oh, ce style ! Voyons de quoi c'est là. Ah ! C'est les mêmes compos, mon Jésus ! Non, c'est vraiment trop là. C'est vraiment trop stylé. N'importe qui a déjà joué une fois God of War connaît ses combos. Oh, c'est tellement swagué. Oh les gars, non, je suis en kiff. Je suis juste en kiff. Juste j'apprécie, tu vois. Insane. Oh là là, le délire. Ils ont réussi à l'adapter avec perfection. Avec un gameplay, la caméra est bien plus proche de Kratos. C'est incroyable. Oh putain, c'est tellement stylé les mecs. Oh c'est tellement... Je sais pas si on va les garder longtemps, mais Inch'Allah les mecs hein. Oh finalement j'ai déjà oublié la hache hein. Ouais toujours dans mon dos mais quand même hein. Ok. Bon pour l'instant j'ai pas de coups. Oh là 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 là. C'est tellement stylé les gars. Je kiffe de ouf. Regardez cette puissance. Cette sensation de puissance avec la musique. Retrouvaille. L'âme te sera utile à Elheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes. En plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Oh là 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 là. C'est tellement stylé, les gars. C'est tellement stylé. Incroyable. Incroyable, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je pense clairement qu'on va s'arrêter là. On va passer cette porte. Et direction le royaume. Il y en a un remède pour le gamin. Après, on ira prendre la rune. On ira à l'autre royaume. C'est totalement fou. On va où? On va où? J'espère que cette aventure vous plaît, que cet épisode vous plaît. J'ai tellement kiffé. J'ai passé un petit temps de chargement, les gars. C'est un petit temps de chargement caché. Oh mec, je les gars, suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Moi, ouais, j'ai enculé tous les dieux grecs, mais bon, bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Ok. Oh là 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 là, c'est tellement stylé les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bah on y va les gars, je sais pas. Je pense qu'il faut que j'aille à l'autre bout. C'est ici. Faites pas les cons, hein. Nous y sommes. Hé, hey, tu pues la magie d'un autre monde! Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne sera jamais. Écoute, mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames. Elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile? Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord.
Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! Je vais garder un œil sur toi. Brock peut améliorer les lames du chaos pour les renforcer. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite, ça va être incroyable. J'ai déjà hâte! À bientôt! Ciao, ciao tout le monde!